Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau récap sur Holycube. Qu'est-ce qu'on a bien bossé ce soir en stream. Vraiment, hier, lors du précédent récap, je vous avais montré les tests sur le cloître, hein, cette petite partie centrale dans le temple de l'eau, et j'avais passé pas mal de temps, donc j'avais construit petit à petit. Là, ce soir, je connaissais le pattern, donc on a pu aller beaucoup plus vite, le reproduire tout autour de ce cercle, et même aller au-delà, rajouter des espaces de décoration pure, et cette petite pergola centrale qui est vraiment super géniale. Donc je suis très 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 content du résultat. Regardez-moi ça, ça rend super bien. Donc on a continué les piliers, on a rajouté toutes les petites verticalités, hein, avec ces lignes noires. Bien sûr, les bassins ont été adaptés de tous les côtés, la végétation a poussé. J'espère que j'en ai pas mis trop. J'ai essayé de faire une végétation un peu logique à certains endroits, donc elle s'enroule autour des piliers, et à d'autres endroits ça reste un peu plus libre pour qu'on puisse quand même voir la structure. Et ma foi, je suis très 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 satisfait, je trouve que ça rend mais super bien. Du coup, j'ai abandonné complètement l'idée de mettre de la déco sous forme de petits fauteuils, de petits bancs, de petits hôtels. Peut-être qu'on en rajoutera. La seule chose qui s'apparente à une structure peut-être religieuse, c'est cette flamme centrale au milieu du bassin. Je la trouve vraiment adéquate ici. Et puis, comme j'ai déjà mis des flammes bleues à certains endroits, vous voyez par exemple là-bas, il y a des flammes bleues, ça fait un petit rappel. Et c'est au cœur du temple, donc vraiment, je suis très très heureux. Et avec les shaders, ça rend encore mieux. Donc j'espère que cette partie centrale vous plaît, elle est quasiment terminée, quasiment définitive. Peut-être qu'on viendra rajouter 2-3 petits éléments de décor, mais vraiment pas beaucoup. Je pense maintenant que le cœur du temple est vraiment bien. Si je prends un peu de hauteur, pas trop, parce que vraiment cette partie-là, elle est faite pour être regardée à hauteur de bonhomme Minecraft. Mais voilà, ça rend vraiment très très bien. Je suis très très content de cette zone, vraiment, mais c'est tellement mieux que la semaine dernière où j'étais vraiment pas satisfait. Là, ça n'a plus rien à voir et c'est beaucoup, beaucoup mieux. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé ce récap, n'hésitez pas à le partager, à le commenter, à me dire ce que vous pensez de cette construction. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao, ciao.